Oh là là, attendez, il y a trop de trucs. Alors, stamina. Ok, d'accord, faire gaffe parce que le personnage se fatigue. Si on court pendant trop longtemps... Ah, on peut tomber carrément. Enfin, se mettre à genoux, je sais pas quoi, là. Il faut marcher un peu, en fait, pour... Ouais. Click to roll onic to dash. Ah, d'accord, ça, c'est pour dash. Et ça, c'est pour centrer la caméra sur... Monsieur Ciseauman. Cours ! Cours, cours ! Oh là là, ça va être galère ! Oh ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quoi ? Mais elle a couru... Elle a couru trois pas ! Mais, sérieux ? Mais quoi ? Mais c'est une grosse blague ! Mais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je clique ? Magnifique ! Attendez, je repars en arrière là, non? J'ai eu un succès. Attendez, on va la faire marcher un peu. Les chutes de Monica. Mais c'est. Non, mais c'est une grosse blague! On dirait qu'elle court pour sa vie. Non, mais. En vrai, elle court vraiment pour sa vie, mais. Du coup, j'essaye de modérer. Mais faut que j'aille où? Je peux pas reprendre l'ascenseur? Je sens que c'est une grosse connerie. Eh, c'est qui lui? Y'a un mec mort ici? Allô? Oh merde, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah! Papa! Ah bah je vais crever là. Oh. Ah mais il est carrément plus rapide que moi quoi. Mais je veux plus rien! Il est derrière moi, je veux plus rien! Suffit! Ne tombe pas, ne tombe pas, pitié! Ah, il y a une porte ouverte, je crois, là. C'est ouvert. Cache-toi, ok. Où? Je tente un truc. Je peux me cacher là? Le jeu freeze. Oh, cinématique. S'il te voit te cacher, c'est mort, tu as perdu au fait. Ça semble logique. Est-ce qu'il m'a vu? J'en sais rien du coup. Ah, il y a un QTE. Putain, merci de me prévenir. Je suis prête, je suis prête. Bon ça va, si c'est cliqué comme tout à l'heure, ça va. Ah, faut rester dessus. Ah, ok, ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Ah, c'est sympa ça, je trouve. J'ai perdu? J'ai réellement perdu? Ah non. Transition. Il s'est barré. Pourquoi il y a un truc par terre là? Ok, il s'est barré. Bon, je suis sorti instantanément. Super, j'ai trouvé une Bible. Waouh, cette transition. Il est caca le monstre. Un peu, ouais. Un peu, un peu. C'est pas un grand jeu non plus. Hein. Vous attendez pas du Silent Hill. Et juste ces boobs qui ressortent en relief. Ah, j'avoue, putain. J'avoue. C'est quoi ça? Cendrier, non? Alors, c'est un phone chargeur. Chargeur de téléphone. Il y a une pantoufle. Une valise. Allez, fermé. Merde. Puis qu'est-ce que je dois faire, du coup? Ouais, peut-être que je me tire, non? Est-ce qu'on peut appeler les secours? Ok, ça a pas l'air de marcher.
Direct, tout est normal et tout. Très space hein, pour le voir le jeu. Hein. Là, je sais pas, je peux pas y aller. Bon, bah, on peut sortir. Le coiffeur démoniaque qui en avait marre de coiffer des gens sales. Peut-être. C'est les gens qui arrivent chez le coiffeur avec les cheveux tellement gras que on dirait qu'ils ont mis de l'huile sur leur tête. C'est peut-être ça, hein, le truc qui s'est passé. Quoi? Attends, j'ai pas eu le temps. Ok, j'ai besoin de lumière pour regarder dans cette chambre. Parce que je suis une vraie taupe, je ne vois rien. Je vais où là? Barrons-nous! Y a pas de bruit dans le jeu, c'est violent. Coucou, si elle est là! Ah, qu'est-ce que t'as dit, Lily, comme connerie pour que ton message soit sorti, ouais. C'est la douche là, non? C'est la même porte, j'ai fait le tour, là, bêtement. Ah non, peut-être pas. 303, elle était à combien tout à l'heure? Ah non, c'est peut-être pas la même, parce que le miroir, il était pas comme ça, si. Ah, il n'y a pas de pantoufles par terre! C'est pas la même chambre. Oh, il y a une bouteille de vin derrière! Ok. Photo d'un mec. John Thompson. Oh! Ils sont mignons! D'accord, un chargeur de téléphone. Je sens que ça va nous servir ce truc. J'ai triché à la fin pour une cerise pour voir la bonne. Mais moi, je me rappelle, j'avais vu juste un bout de ton live et c'était à la fin du jeu, je crois. Ou une connerie comme ça. Mais du coup, je me rappelle plus ce qui se passait. Je crois que tu crevais. Mais du coup, je crois que c'était une mauvaise fin ou je sais pas quoi. J'avais juste vu ça. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ok, ça bouge pas, c'est fermé, d'accord. Et le vin, je peux pas le prendre? Non? D'accord. Mais qu'est-ce que je dois faire? Elle va pas vouloir, là. J'ai retiré moi-même mon message. Ok, d'accord. Ça ne marche pas. J'étais ouf, hypnotisé par Monica et ses attributs. Je comprends, je comprends. Trop de sex appeal en Monica. Surtout dans sa démarche. Tellement sexy, purée. Tout est verrouillé, ouais. On est à Silent Hill. Silent Hill a encore frappé. Bonsoir, monsieur Relwyn. Et bienvenue sur ce live. Oh, ben on est 35, dis donc. Nightcry, ça vous intéresse, hein? Pourtant, le jeu a pas l'air ouf, hein, mais. Ça vous intéresse? C'est parce que vous savez que je vais en chier, c'est ça? Pour ça que vous venez? De gros attributs. Des gros attributs. Ah, on est revenu là où mon mec il est mort là, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh purée, j'ai pointé à droite, elle est partie, je sais pas où. Ah oui, coucou. Est-ce que je peux récupérer un petit morceau, s'il vous plaît? C'est un souvenir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je veux toujours mon coca, hein, je l'ai toujours pas eu. Non? Oh putain, je suis déçu. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois bien pouvoir faire? Les animations de Silicona, c'est du niveau quand même. Déjà, elle a même pas de numéro quand elle prend le téléphone. Elle s'étonne d'entendre personne. Ouais, j'avoue. J'avoue. Trop de silicone sur ce live. Trop de boobs. C'est tellement mieux que Dark Souls, dis donc. Mais je sais pas ce que je dois faire, hein. Pourquoi la meuf sur le jeu est constipée, on m'explique. En fait, je pense que d'une, elle sait pas marcher avec des talons. Ce que je comprends, moi je sais absolument pas le faire non plus, mais du coup, dans ce cas-là, normalement, on t'en met pas. Et de deux, elle a des seins tellement lourds, tellement gros, surtout par rapport à sa taille toute menue, que du coup, ça l'attire vers le bas. Et c'est très compliqué pour elle. Je suis mort au moins 3 fois à la première mort du distributeur. Sérieux? Ah oh, bah ça va. Moi j'arrive à faire ce genre de Coucou Suki, tu viens de me connaître. Eh bah écoute, bienvenue sur ce live. Mais je suis encore venu là. Mais je tourne en rond. Et j'espère que ça te plaît, écoute. Non, sors! Qu'est-ce qu'elle fait?
On dirait un zombie, on dirait qu'elle va s'écrouler ou je sais pas quoi. Nao fait un striptease? Pardon. Quoi? Pourquoi je ferais un striptease, tu m'expliques? Donc quoi, avec des talons, c'est compliqué, ouais. Mais qu'est-ce que je dois faire? Où est la sortie? Oh, merde, Facebook. Attendez, excusez-moi. Je vais fermer ça tout de suite. Parce que c'est pas cool. En plus, c'est trop fille qui m'envoie une connerie. Super, génial. Attendez. Hop, voilà. Je suis paumé, hein, par contre. Hein. Ah, on est jamais venu là! Oui! Un nouvel endroit. Ouh, des gants bien dégueulasses. Je sais pas ce qu'on a touché avec, mais... Là, c'est... Il y a des gros... Putain, mais attends, mais elles sont énormes, ces machines. Non? Cherche des suppos. J'adore tes vidéos, tu continues comme ça. Merci, Mafia du Ghost. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. D'abrazo. D'abrazo. Des machines à l'armée, mais c'est génial. Je n'ai pas le temps de... Je ne connais pas ce mot. C'est rigolo. Non, non, ça... non, c'est pas rigolé. Non, je sais pas. Si, c'est peut-être ça, hein. Et du coup, qu'est-ce que je fous là, moi? Je m'en vais? Bon, bah, je m'en vais. Allez, sors! Purée! Oh wow. Elle a du mal, hein. Je vois pas devant moi. Hé! Hey, je suis jamais vu là non plus. Ouais, Dark Souls, on reprendra la prochaine fois parce que là, j'ai eu des petits soucis. Pas sur Dark Souls, mais avec mon PC, et du coup, ça m'a un peu gavé, donc... Je fais un jeu un peu moins rageant. Ah, il y a un des fusibles qui est pété. Oh, enfin un truc à faire. Du coup, rien du tout. Je peux même pas enlever celui qui est pété. Du coup, je suppose qu'il faut trouver un nouveau fusible. Ok. Et il me faudra une carte. Vraisemblablement. Voilà, cette poitrine. Pour pas le promo des poufs. Eh ben on est jamais venu là non plus. Mais on découvre plein d'endroits. Mais pourquoi il y a autant de sang? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le mec il a fait son petit carnage avant qu'on arrive. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, des trucs à bouffer! Génial! Et là, des glaces! Ah oui! J'ai... Putain, ça m'a fait peur. Mais c'est Harry? Mais qu'est-ce qu'il fait là? La musique qui est un peu à la bourre. Oh non, putain! C'est encore la course poursuite! En fait, ouais, il faut courir comme ça. Courir, marcher, courir, marcher. Ah, ça marche plus. Ok. Bon, faut retrouver une cachette. Et c'est reparti. Ouais! Non, pas par là. Au moins, là, on a un peu de musique. Nom de Dieu, mais relève-toi! La porte, là-bas. Vas-y. Pourquoi il y a des bruits de bulles derrière moi? Ça fait bloup bloup bloup. Ah, bloup bloup bloup. Vite! Cache-toi! J'ai sursauté du bruit, ah bah bravo. Petit ramage. Et là, d'un coup, il y a trop de son, quoi. Il y a trop de musique. La musique qui a détruit toute la crédibilité. Attendez, je me prépare pour le QTE. Tu retournes dans la même cachette et c'est game over. Quoi? Sérieux? Mais attends, je m'étais pas caché dans celle-là tout à l'heure, je crois. Putain, heureusement que tu me le dis. Mais je crois que c'est pas la même, hein. Je sais plus. Non, mais dites pas game over! Non, c'est pas celle-là, non. Si? Crève, psychonade. Mais non! Dites pas RIP! Oh ah si, c'était la même! Merde! Ah merde! Cours, 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 cours! Barre-toi, barre-toi, barre-toi! Vite, vite, vite!
Oh là là, quelle pression! Mais cours! Mais cours! Bah du coup je me cache où? Putain, mais j'étais persuadée que c'était pas la même chambre. Y'a un endroit pour... J'en sais rien. Et je l'entends plus. Je cours, je fais que ça. Respire pas trop fort. Tu veux de la ventoline? Pas de game over, et non, je suis trop forte. Non, l'ascenseur, c'est mort. T'as la musique qui se barre, on a mal, marre aussi. La laverie. Ah, mais la laverie, elle était derrière, je crois. On est où, là? Merde, on est revenu, là. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas où je vais. Sikona, elle survit, eh ouais. Parce que je suis là. Par contre, elle commence à être essoufflée, là. Elle va se péter la gueule dans pas longtemps. Mais je trouve pas de cachette. Je me paume. Mais je suis repassée devant l'ascenseur. Non. Moi, perso, des boobs comme ça, je suis un mec, j'en touche pas. Mais ils ont pas l'air très naturels. Poster les chevaux sur le côté, ça te ralentit. Veuillez poser vos nichons sur le bas côté, madame, s'il vous plaît. Avec non, on sait jamais si on va survivre ou mourir. Mais si. Bon, bah, je vais me cacher là, du coup. Mais j'étais persuadée que c'était là où je m'étais cachée tout à l'heure. 308, vous voyez, c'est pas la même chambre. Bon, bah, là, ça devrait marcher, normalement. Vite. Il est derrière moi ou pas? Parce que peut-être qu'il m'a vu rentrer aussi, non? Cola laverie pour réduire les seins de silicone. Attendez, je me prépare au cas où c'est un QTE. Ça marche ou pas? Non, non, on va pas crever, vous inquiétez pas. J'ai pas fait gaffe à la pantoufle. Logiquement, le monstre est pas trop con. Bah là, il l'est un peu quand même, hein. Mais non, mais c'est pas possible. Mais non. Ça veut dire que... Non, je comprends rien, là, hein. Je me suis caché qu'une fois. C'est pas possible qu'il m'ait trouvé deux fois. Je comprends plus rien. Non. Ah oui, mais là, elle va pas pouvoir y aller parce que c'est noir. Oh, putain. Ah. Bon, go la laverie sur la trouve. Je poussais. Je jubile. Ah, tu prends plaisir à me voir souffrir, là. Oh non. Elle est épuisée. Non. Non. Je vais mourir. Non, le game over. Ah, et là, on me propose même pas de QTE. C'est à... C'est bon, quoi. Succès déverrouillé. Bienvenue dans Nightcry. Super. Trop bien. Chapitre 1, scène 1. Eh, j'espère qu'il m'a sauvegardé pas trop loin. Hein. Ok, je suis là. Ouais, bon, de toute façon, j'avais pas fait grand-chose. Faut juste reparler au mec. Si t'as plus assez de stamina, tu t'as pas le QTE de dernière chance, ok. Je sais pas si on peut passer le truc, non. C'est pas grave, on se rentre à place animatique, a été drôle. Des bisous, Constance, merci d'être passé. Pourquoi je prends demain? Je vais pas casser noir même si je suis poursuivi par un méchant, mais c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en effet. Oula, le son est un peu fort du coup. Bon, bah c'est reparti. Non mais elle le fait exprès. Sérieux. Je bosse aussi mais je suis là. Eh, on est 40. Mais putain, mais vous kiffez Nightcry en fait, hein. Là-bas. Cours, petite silicone.
Hey Barbie! Vous voyez, là on se cache dans la 303. Donc si tout à l'heure il me chope dans la 308, je crie au scandale. Parce que c'est pas normal. Il faut pas regarder dans le congélo. D'accord. Parce que si je regarde pas dans le congélo, il revient pas. Attendez, QTE. Oui, ça va mieux, ouais. Je tousse encore un tout petit peu, mais c'est très léger. Ça va beaucoup. Les placards se réparent. Non, non, on a rechargé la partie. Bon. On est mort. Ouais. Je me prépare, je sais où ça va aller. Et hop. Non, tu m'as pas eu. Non, tu m'as carrément pas eu. Il reviendra plus tard, merde. Attendez, ça me gratte l'oreille. Merci. Merci, je vous dis merci parce que je me suis gratté l'oreille. Ok, là, plus rien se passe. Bon, ça sert à rien que je refouille, il y avait rien ici de toute façon. Bon. Alors. Du coup, faudrait quand même retrouver l'endroit où il y avait le congélo. Parce qu'on n'avait pas tout fouillé, il y avait peut-être d'autres trucs intéressants. Je sais plus du tout où c'était, je vous avoue que je me paume un peu là dans ces couloirs. Beau gosse, vous trouvez pas? Il est magnifique, il est génial. Ça donne envie de lui faire des bisous de partout. Hein. Oh purée, je suis encore là, donc c'est pas là. C'est de la SMR. Bah écoute, tant mieux si ça te relaxe. Ah, le jeu a frisé. Le jeu ne répond pas. Tu peux pas sauvegarder ou je sais pas quoi pour éviter ça. Ah mais attendez, il y a une cinématique. Mais pourquoi? Oh, I'm sorry. Elle m'a fait peur. Les saves sont décidés par le jeu. Si vous allez bien? Vous avez vraiment l'air pâle. Are you alive? Non. Quoi? J'aurais dit la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Que t'es, attention! Le mec coupé en deux par un chariot à dessert, quoi. C'est une grosse blague. Bon, bah voilà. Mais il y a une carte sur ce... Elle s'en fout. Elle s'en fout complètement du cadavre. Oh, il a dû tomber de sa poche. Eh ben c'est génial, on a une carte. Oh, c'est horrible de regarder ça. Ouais, t'as raison. Franchement, c'est le room service. Coucou Biotibédon, tu n'arrives pas en retard. Tu n'as pas loupé grand chose. On a commencé le jeu il y a pas très très longtemps. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'était drôle. Pas le temps de niaiser, c'est ça. Mais c'est tellement ça. Il y a personne derrière le comptoir. D'accord. Ça m'avance à pas grand-chose, mais pourquoi pas. Ouais, d'accord. Oui, mais on s'en fout peut-être, non? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu! I take that? Ok, d'accord, bah vas-y, serre-toi, hein! J'ai pris des pièces, voilà. Plus aucun respect. Attendez, c'est quoi ça? Food! Glorious food! Glorious food! Glorious nourriture! C'est pour nourrir ses seins. Bonsoir Mathieu, je vais très bien. Merci. On va très bien, il y a des gens qui se font tuer
de façon tragique. Il y en a un qui s'est fait bouffer par un distributeur, l'autre s'est coupé en deux par un chariot. Attendez, j'ai ma carte! Ah mais oui, mais merde! Eh ben oui! Eh ben oui, il faut que je change le fusible! Et non, ça marche pas! Mais pourquoi ça passe pas? Eh! Putain, elle l'a ouvert avec tant d'énergie. Bon voilà, maintenant je sais qu'il faut que je récupère un fusible. Là il y a un seau, je sais pas pourquoi. J'ai le même seau à la maison. C'est génial, merde. Ah oui, je suis sauvée, un seau. Attends, mais en plus elle fait des blagues. Mon dieu. Alors, ça c'est la laverie, on s'en fout. Moi je voulais retrouver... Alors il nous faut un fusible, il nous faut la lumière. Et pourquoi on n'a pas gardé les... On les a pas les... Ouais. Pourquoi on n'a pas gardé les allumettes de tout à l'heure? Nao achète une boisson, Lord a dit. D'accord. Je n'avais point vu. On va aller acheter une boisson. Mais pour faire quoi? Le seau pour vomir. Si je mets ma tête dans le seau, est-ce qu'il me trouve le monstre? C'est une bonne cachette, non? Alors, on va acheter une boisson. Là, par exemple. J'espère que je vais pas me faire bouffer par le distributeur. Ça rame un peu. Il y a eu un bruit super chelou. Les sons, ils font trop peur en fait. Merde, j'ai récupéré quoi? Ah mais c'est la main de mon pote. Mais comment? Attends, c'était pas ce distributeur là? Comment il s'est retrouvé là? Bah oui. Le mec il s'amuse à déposer les trucs. Ça va pas te dépanner, mais si tu le fais pas, bah t'auras pas la bonne fin. D'accord. Donc on a récupéré son alliance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu s'excite d'un coup là? Mais on n'a pas de son depuis tout à l'heure et là d'un coup on a des trucs super flippants. Ok. Bon, il nous faut un fusible. J'ai toujours pas retrouvé le congélo hein. Mais ouais, mais les sons, comme ils arrivent, là. Laisse tomber. Ah merde, fallait que j'aille dans l'ascenseur? Merde, ok, d'accord. Putain, heureusement que t'es là pour m'aider. Parce que là, je tourne légèrement en rond. Ok, on retourne à l'ascenseur. Un jeu de boobs et sérifs ne sont pas là. Eh ouais. Il loupe quelque chose, là. Hein. Regarde-moi ça. Tellement gros qu'elle arrive pas à courir. C'est beau. C'est trop beau. Mais je crois que j'étais déjà venue tout à l'heure. Ah mais il y avait le monstre alors. Peut-être qu'il a essayé d'appeler quelqu'un à l'aide. Mais prends-le son smartphone. Ah quand même. Ah grâce au jeu saut, d'accord. Bah écoute, je suis contente que ça t'ait plu. Ouais. Ah mais la batterie est morte. Très bien, donc on sait ce qu'il nous reste à faire. Faut aller recharger le téléphone. Luna, elle est contente, c'est Yatrophy. Le chargeur va servir, oui. On va arriver à avancer dans le jeu. C'est génial. Merci à Lord. Hein. Parce que sinon, là, je serais toujours en train de courir en faisant « Il faut faire quoi ?» Regardez, ça l'a fait dévier de sa trajectoire. Mon dieu. Allez, avance. Tu peux le faire. Ok, 303, il doit y avoir un chargeur. Et grâce au téléphone, j'aurai de la quoi? J'ai pas suivi. Et tiens, on va charger le téléphone. Attends, chaque chose en son temps. Voilà, le chargeur est là. Alors, on va pouvoir appeler à l'aide. Ce serait logique, non? N'oublie pas, c'est Phyllis après. Oui, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Pour défoncer
fait des pénis. Enfin, bravo. Oh, ça va, c'est rapide. Ah, mais c'est John Thompson. On a vu son portrait tout à l'heure. Ah, oh, maintenant, je peux utiliser un téléphone. Oui. Bah, prends-le. Allô. Son nom est John Thompson. C'est écrit sur l'écran. Sandek, merci, j'avais vu. Captain Obvious. Oui. Oh, et oh, la vache. Ok. Ah, oh, ça c'est bien ça. À chaque fois qu'on recherche son téléphone, ça sauvegarde la partie. Donc là, normalement, j'ai une sauvegarde. Ah, et on va pouvoir faire de la lumière avec. Oh mon dieu. Oh là là, mais c'est génial. Ah bah attends, on peut appeler des gens. Angie Brown. Ouais. Certaines personnes ont vraiment envie d'avoir un syphilis, j'avoue. Bon, ça marche pas. Antonia Barrez. Je suis déçue quand même. Ah, tu t'en vas, Lily. Bah, merci d'être passé, des bisous. Dors bien. Oh, mais c'est... Oh, eh, c'est bien fait, ça, pour le coup, franchement. C'est sympa. Par contre, je crois que la... c'est pas celle-là de pièce. Je vais peut-être éteindre au cas où, genre, ça prendrait la batterie, on sait jamais. Je suis deck, ça sauvait pas, moi, quand je chargeais le tel. Ah bon? Ah non, me dis pas ça, hein. J'espère que ça a marché, hein. Unimix, tout en douceur, et... n'est-ce pas? Douceur et volupté, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mon dieu! Boobies! Oh non! Oh non, putain, non! Non, j'allais enfin avancer dans le jeu! Oh, merde! Oh putain, je suis sorti du jeu! En flûte! Non, 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 non! Oh, bah ça va qu'on est plus forte que lui, hein. Il est mauvais quand même, hein. Il y a eu des mises à jour, c'est pour ça, d'accord. Une autre cachette que le placard. Ouais, mais où? Je peux me cacher où? La laverie, la laverie. Ah, la laverie, la laverie, la laverie, la laverie. La laverie, c'est pas là. Attendez, on va marcher un peu, parce que sinon, elle va s'écrouler. Elle est jolie, Barbie. C'est bon, ça va mieux? Allez, quoi? La pièce noire? Non, elle veut pas y aller! Ah oui, c'est vrai que j'ai de la lumière maintenant. Ouais, mais ouais. Attends. Je retourne en arrière là, non? Ou je ne m'abuse? Mais elle s'épuise trop vite! C'est un truc de fou! Bah là, j'ai retrouvé les pièces. Mais ça va pas marcher du coup là si j'essaye. Attendez, je marche un peu. Le mec est juste derrière moi, mais on va marcher un peu. Oh super, je peux voir dans mon dos. C'est génial. Je veux qu'elle souffre un peu. Merci Lord, t'es trop chou. T'es trop mignon. Cache-toi sous tes boobs. Allez, purée. Eh mais c'est quoi ça? En vrai, j'ai une carte. Oh, attendez, elle s'épuise trop. Je suis obligé de marcher. Ah là elle veut y aller. Attendez. Et je peux pas sortir mon téléphone quand je suis poursuivi. Je peux pas sortir mon téléphone quand je suis poursuivi, c'est la merde. Pourquoi je suis morte? Je m'étouffe. Pardon. J'espère que ça a sauvegardé, hein.